Salam alaikum, c'est Bouarara avec vous. Aujourd'hui, dans ce cours, on va voir la boucle pour en JavaScript. La boucle pour, ou for en anglais, c'est la boucle la plus compacte. Elle comprend trois parties importantes. Voici la syntaxe de la boucle pour, ou for en anglais. Donc, la boucle for, initialisation. Elle comprend trois parties. La première partie, c'est l'initialisation. La deuxième partie, c'est la condition d'arrêt. La troisième partie, c'est incrémentation, incrémentation ou décrémentation du compteur. Donc, la première partie, c'est l'incrémentation du compteur. La deuxième partie, c'est la condition d'arrêt. La troisième partie, c'est l'incrémentation ou décrémentation du compteur. Entre les accolades, c'est les instructions à exécuter si la condition est vraie. Voici un organigramme qui simplifie le fonctionnement de la boucle for. Donc, la boucle for, on va tester la condition. Si la condition est true, c'est-à-dire est vraie, alors on va exécuter les instructions et on va répéter ce processus. Si la condition est vraie, on va exécuter les instructions. Si la condition est vraie, on va exécuter les instructions. Mais si la condition est fausse, alors on quitte la boucle. Si la condition est fausse, on quitte la boucle. Donc, l'initialisation de compteur, nous initialisons notre compteur à une valeur de départ. Donc, l'initialisation, c'est d'initialiser le compteur à une valeur de départ. L'instruction d'initialisation sera exécutée avant le début de la boucle. On va voir un exemple. Par exemple, for compteur var compteur égal 1, point virgule, compteur inférieur ou égal à 10, point virgule, compteur plus plus. Donc, initialisation de départ, c'est initialiser notre compteur à une valeur de départ. Cette instruction sera exécutée avant le début de la boucle. Après, la deuxième partie, c'est l'instruction de test. Cette instruction permet de tester si une condition donnée est vraie ou non. Permet de tester si une condition est vraie ou non. Si la condition est vraie, dans ce cas, le code donné à l'instruction ou l'interprétage de la boucle sera exécuté. Sinon, on sort de la boucle. Sinon, on sort de la boucle. La troisième partie, c'est l'incrémentation ou décrémentation. Dans cette situation, nous avons incrémenté le compteur. Compteur I++, c'est la même chose que compteur égal, compteur plus 1. Donc, c'est pareil, compteur plus plus ou compteur égal, compteur plus 1. Si on met par exemple compteur moins moins, donc c'est une décrémentation. C'est la même chose que compteur égal, compteur moins 1. Si je mets par exemple compteur plus égal 2, c'est la même chose que compteur égal compteur plus 2. Entre les accolades, on va exécuter, on va écrire les instructions qui seront répétées. On va afficher un message document.write début de la boucle. document.write, donc document.write, le compteur est à, je mets plus compteur point virgule document.write br pour sauter la ligne.
Après la boucle, je mets un message juste pour vérifier que la boucle est finie. La boucle est terminée. Point virgule. Enregistrer, CTRL S pour enregistrer. On va exécuter notre code pour voir le résultat. Donc voilà le résultat de notre code. On va faire le déroulement de notre code. Compteur égal à 1. Critère d'arrêt. Est-ce que 1 est inférieur ou égal à 10? La condition est vraie. Dans cette situation, on va exécuter document.write. Le compteur est à 1. Après, on va faire un saut de ligne. Un saut de ligne pour sauter la ligne. Donc, après, on va exécuter l'incrémentation. Donc, compteur égal à 1. Donc, 1 plus 2, c'est 3. Est-ce que 3 est inférieur égal à 10? La condition est vraie. Dans cette situation, on va afficher le compteur est à 3. On va sauter la ligne. Et après, 3 plus 2, c'est 5. 5 inférieur égal à 10? Oui. Donc, on va afficher le compteur est à 5. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à 9. 9, le compteur est à 9. BR pour sortir la ligne. 9 plus 2, c'est 11. 11, est-ce que 11 est inférieur ou égal à 10? Non. La condition est fausse. Dans cette situation, on va quitter la boucle. Et afficher la boucle est terminée. Donc, voilà pour la boucle. Pour généralement utiliser, surtout lorsqu'on manipule les tableaux ou les chaînes de caractères. Merci pour votre...